Vous savez, depuis quelques années sur Steam, la scène indépendante a accueilli un bon paquet de jeux présentés sur plusieurs sites et plusieurs chaînes YouTube, tels que le site de Get Indie Games, ou le Sad Panda ayant une série se basant sur les jeux indépendants, l'Indie Indé. On voit que beaucoup en parlent, beaucoup y jouent, mais personne ne les critique vraiment, ou les critique peu. Ça tombe bien, car dans Indie Critique, nous allons les critiquer ensemble. Nous allons voir ce qu'ils valent pour tous d'une façon impartiale, présentée par moi-même. Allez, générique. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement compris, nous chroniquons God Factory Wingman, un jeu développé par Nine Dot Studio, édité par Bandai Namco Game, sorti le 29 août 2014. C'est un multiplayer spaceship shooter, puisque deux équipes de 4 s'affrontent dans l'espace. Votre but étant de détruire le vaisseau mère ennemi appelé ici la carrière. Chaque partie que vous détruirez enlèvera un des 7 segments qui composent la carrière, sachant qu'en détruisant le cœur, lui enlever 2. Mais le cœur est très compliqué à détruire. Pour détruire la carrière, vous contrôlerez donc deux vaisseaux que vous aurez créés avec des pièces avant la partie. Ces vaisseaux sont basés sur quatre races qui existent pour le moment. Vous avez les humains, les Gantry, qui sont les soigneurs, les Arblos, qu'on appellerait plus certainement les tanks, les Chorions, ce seraient les mages de zone. Chaque composant de vos vaisseaux peuvent être et doivent être améliorés pour tout simplement les monter en classe et donc impressionner les ennemis en face de vous, mais surtout pour détruire plus rapidement les parties de la carrière, sachant que la plus difficile à détruire étant le cœur, puisqu'elle se régénère beaucoup plus vite que les autres. Mais une fois détruite, vous infligerez 2 segments de vie à la carrière, sachant qu'elle en a 7, et à la fin, vous aurez gagné. Vous avez aussi un autre moyen de gagner, mais ce moyen est un peu plus archaïque et un peu plus long. Il vous faut en fait détruire tous les vaisseaux ennemis, ce qui vous fera gagner des points. Si vous détruisez tous les vaisseaux, ils seront placés par des drones, puis je l'expliquerai plus tard. Et donc si vous détruisez tous ces vaisseaux, vous avez aussi toutes les 5 minutes un canon, le canon de votre carrière tire. Dès qu'il tire, il va enlever un segment. Oui, c'est très long, mais vous aurez quand même gagné si vous avez détruit tous les vaisseaux. Ou alors vous détruisez une partie et vous attendez. Tout simplement, ça fonctionne aussi. Par contre, soyez sûr que l'équipe ennemie ne contre-attaque pas. Passons au point positif. Pour commencer, le jeu a de très beaux graphismes, détaillés. Les animations sont fluides et le lag pendant les parties est presque inexistant. De plus, il y a une bonne jouabilité et rejouabilité. Les commandes se prennent rapidement en main et facilement grâce au tutoriel donnant des crédits quand vous les réalisez. De même, vous avez un système de visée très pratique qui vous permet de ne pas rater votre cible. Certaines armes ne sont pas toutes équipées de ce système, mais la plupart d'entre elles y sont, ce qui vous permet de détruire rapidement les ennemis. De plus, vos vaisseaux ont une valeur inestimable. S'ils sont détruits au cours de la partie, ils sont perdus jusqu'à la fin du match. Et à ce stade-là, il sera embrassé par un drone pour que vous puissiez quand même jouer avec un deuxième vaisseau. Mais ce drone ne sera pas équipé des compétences que vous aurez définies au préalable avec votre vaisseau non détruit, et ça diminuera vos possibilités de gameplay. Par ailleurs, certaines manœuvres sont très intéressantes, comme le looping, vous permettant de vous retourner s'il y a un ennemi qui vous attaque par derrière. Vous avez aussi la possibilité de faire un dash avant ou un dash arrière, et chacune de ces manœuvres peuvent être accompagnées d'une dérive, et cette dérive vous fera reculer ou avancer en fonction de la direction que vous aurez choisie dans l'espace. Certaines pièces utilisent naturellement cette dérive pour recharger le bouclier, augmenter votre visée, ou que sais-je encore. Vous pouvez voir aussi qu'il y a possibilité de jouer avec la manette. Pour ma part, je reste sur le clavier car je n'ai jamais testé honnêtement la manette. Il y a aussi des succès dans ce jeu. Mais les succès, ce ne sont pas les succès qui servent à rien, qui sont juste là pour faire joli. Non, cela vous rapporte des crédits, des palettes de couleurs et des effets de couleurs pour vos vaisseaux, afin de les customiser. Certains sont vraiment très jolis comme les néons bleus ou les rainbow,
traduction littérale arc-en-ciel. Enfin, les maps sont jolies et certaines structures sont utiles au gameplay, comme les zones. Puisqu'une fois réquisitionnées, l'équipe ayant capturé ces zones, vous pourrez soit infliger des malus aux ennemis grâce aux émissions de plasma, soit recharger les boucliers de votre équipe tant qu'ils restent à l'intérieur. Il y a aussi des portes de lancement dans un autre niveau qui vous permettront de partir autour du champ de bataille et donc d'arriver plus rapidement à la carrière ennemie. Mais ce jeu n'a pas que des qualités. Par exemple, le leveling est long. Pour passer du niveau 6 au niveau 7, il faut 500 points d'expérience. Sachant que augmenter une partie donne en fonction de son niveau d'augmentation 1, 2, 3, 4 points d'expérience, je vous laisse imaginer le temps que vous prendrez à passer de niveau. Il est très difficile de monter niveau 7. Mais une fois que vous êtes passé, vous gagnez 15 000 crédits et là, ça devient la fête au village. On constate également qu'il y a un manque de mode de jeu. Nous n'en avons qu'un seul pour le moment, le recherche et destruction de parties. Ce mode de jeu est très sympathique et permet beaucoup de stratégie avec des joueurs, mais le seul problème, c'est qu'il en manque des joueurs sur ce jeu. Donc d'autres modes de jeu pourraient être très sympathiques à créer, comme le match à mort ou le capture du drapeau. Et si vous avez d'autres types de modes de jeu à présenter aux développeurs, je vous laisse les inscrire dans les commentaires et je leur enverrai bien sûr la vidéo qu'ils puissent au moins voir ce qu'il en est pour leur jeu. Bien, nous passons enfin à la conclusion. Déjà pour les points positifs, le jeu est beau, intuitif, avec une bonne rejouabilité et jouabilité. Le système de visée est simple ainsi que les manœuvres sont très utiles. Les maps sont jolies, les structures des maps sont utiles, ainsi les succès. Cependant, tout ça est gâché par le leveling long, le manque de choix de mode de jeu et donc la répétitivité du gameplay, ainsi que le manque de joueurs. Le jeu sur Steam vaut 19,99€. Pour certaines personnes, ce serait un peu cher pour un jeu indépendant. Pour moi, ça ne l'est pas. Il vaut son prix, il le mérite. Cependant, le prix peut faire reculer certaines personnes à l'achat. En effet, on ne peut jamais s'attendre sur ce qui se cache derrière un jeu. Bref, on a un beau bilan pour ce premier épisode de Indie Critique. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire constructif pour me permettre de m'améliorer, de mettre des j'aime si vous avez aimé, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper le prochain où je respecterai vos critiques. Eh bien, nous en avons terminé. Et donc, à la prochaine dans Indie Critique. Et n'oubliez pas, achetez ce jeu.